Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 43e épisode de Pokémon Z. Aujourd'hui, on s'attaque à la Ligue Pokémon. Enfin, si on le peut. Mais avant toute chose, j'ai fait des recherches, entre guillemets, sur comment avoir la Méga Gemme de Dracaufeu Delta. Et on va aller voir si on peut l'obtenir. En off, j'ai testé un truc pour voir si... Parce que, en fait, le problème avec ma méga dracofeuille Delta, là, je sais pas quoi, j'ai l'impression que c'est bugué. Donc, je voulais aller voir s'il y avait un autre emplacement de méga gemme. Du coup, j'ai été voir pour la méga gemme de Galam Delta, et je l'ai trouvé. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour Lucifer, ça ferait pas. On va juste faire ça un peu avant. Vous en faites pas. De toute façon, on battra la ligue aujourd'hui. Alors, le Pikataxi, il est là, voilà. Normalement, ça se trouve là où on a vaincu Tain au moment où il y avait Mewtwo. Et au moment où on avait où il y avait Mewtwo, c'est dans la base de la Team Perfection. Je me souviens bien qu'il y a un objet à prendre. Problème, cet objet est derrière une porte et la porte ne s'ouvre pas. Et il n'y a aucun moyen d'ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'il m'apprend lui? Ah ok, ouais non. Et toi? Non. Parce qu'en fait il n'y a aucun moyen d'ouvrir cette porte et je parie qu'il faut de l'ADN de la Team Perfection, hein, comme ça. Problème, bah, je n'ai pas l'ADN de la Team Perfection. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut. Regardez cet objet-là. Là. Et ça requiert une clé pour l'ouvrir. Et si je me transforme, en qui je pourrais me transformer? Cultabissa, il n'y a aucune raison de faire ça. Darkrai Cultist, il n'y a aucune raison de faire ça. Scientifique, aucune raison. Audrey, il n'y a aucune raison. Infernal, aucune raison. En fait, il y a besoin d'une clé. Sauf que cette clé, bah... Franchement, elle est nulle part, quoi. C'est ça que je comprends pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ici, j'ai trouvé la Dracaufeuille, je sais pas quoi, Y. Faut retourner voir l'épisode 15, il me semble. Dans cet épisode 15, on voit bien que je la ramasse. Je croyais que c'était la Delta Dracaufeuille, mais non, c'était la Dracaufeuille Y. Et il n'y a rien d'autre. J'ai vérifié partout, j'ai vérifié dans la boîte, j'ai... Rien. Donc bon, si vous savez comment ouvrir cette porte et voir l'objet qu'il y a derrière, je suis preneur. Mais dans tous les cas, voilà quoi. Il n'y a aucun moyen d'avoir l'objet qui se trouve derrière. Ouais non. Et après là on va dans les sous-sols de la ville. Là où on fait évoluer les Pokémon à échanger, tout ça. Donc voilà. On peut pas ouvrir cet endroit, du coup c'est bloqué. On peut pas faire méga évoluer Dracaufeu. Après, ça se trouvait pas là. Et c'est à l'endroit où je sais pas, où il y a un autre endroit, une autre base de la Team Perfection, j'en sais rien du tout. Parce que ça m'étonnerait que ce soit la seule base de la Team Perfection, ils ont 15 sbires et tout ça, il doit y avoir des sbires. Donc là, ça doit être juste un laboratoire, il doit y avoir une base. Dans ce cas-là, la base Team Perfection, j'y ai jamais été, quoi. Enfin, y a jamais eu de problème. D'ailleurs, c'est bizarre, ouais, parce qu'on n'a pas terminé l'histoire. Donc si ça se trouve, on n'obtient pas la méga gemme avant d'avoir terminé l'aventure. C'est possible, on va dire. C'est pas logique, mais c'est possible. Parce que j'ai regardé hein, sur Zen, il disait... Enfin, c'est bien ce que je pensais, hein. Pour moi c'est bugué en tout cas, sinon. Parce qu'il disait
que si on prenait Salamèche Delta au départ, là où il y avait la Dracophyte Y, normalement, ça aurait dû être la Delta Dracophyte. Si on prenait Salamèche Delta au départ. Et si on prenait seulement Salamèche normale, ça aurait été la Dracophyte Y. Sauf qu'il n'y avait pas de Salamèche normale au départ. Et donc c'est totalement buggé, j'ai l'impression. Enfin, moi c'est l'impression que ça me donne. En tout cas. Bref, allons vaincre la Ligue. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut au moins? Bon, j'ai tous mes Pokémon, les meilleurs Pokémon, quoi, niveau 120. Ouais, ils étaient pas niveau 120 en plus la dernière fois, je crois. Hein, je les ai montés. Full Restore 48, Revive 5. Ouais, mais j'ai des herbes rappel, Danala. Ok, bon bah, allons-y. Vous pouvez utiliser des items, mais vous avez 7 modes durant la bataille. Vous sauvez le... Ouais, ah oui, allons-y. Et avant d'y aller, bah, vu que j'ai sauvegardé, je vous reprends tout de suite. Voilà. Allons-y. Affrontons le Conseil 4 et la Ligue Pokémon. Oh. Une large statue de Giratina semble être intéressante. Il y a deux portes. Statue de Cresselia. Allons toujours à gauche, hein, je m'en fiche. Un cœur. Enfin, des cœurs. Alors, est-ce que ça serait le type fée, vu que c'est des cœurs? Dans ce cas-là... Pas de type dragon. Pas de type ténèbres. Je suis dans la merde. J'échoue dans la mouise. Bon, on va laisser Thor en premier. Allons-y. Yo, Changer. Je suis Kayla, de l'Elite 4. Je suis spécialisé... dans le dur travail et l'harmonie. Tous les Pokémon connaissent leur place. Et ensemble, avec ma stratégie, ils ne perdront jamais. Donc tu es Franck. Je ne suis pas de ceux qui parlent beaucoup, donc allons-y. Ne le prends pas trop personnellement, mais je vais t'écraser. Là, ce serait plus type normal. Bon, bah, méga évolution et... Ice Punch. Waouh. Je l'avais pas testé. Je vais le découvrir avec vous. Il est stylé. Ah ouais, mais ils sont niveau 120. J'avais pas remarqué ça. Elle m'a endormi. Là, je vais me faire démonter, non? Je sens que je vais me faire démonter. Ils sont totalement stratégiques, ces gens. Cette ligue Pokémon stratégique. Alors, je m'attendais pas du tout à ça.
Je m'attendais à une ligue Pokémon de merde, quoi, simplement avec des niveaux 100, vous voyez ce que je veux dire. Il a pas une attaque pro, lui. Ah, mais de toute façon, je peux l'envoyer, tout simplement. Il a psycho. Mentally. Donc elle est mise spécialement dans la défense spéciale. Alors, ensuite. Vu qu'il est plus en méga de toute façon maintenant. Voilà. C'était chaud, mais j'ai réussi. Tes talents sont incroyables. Je suis vraiment impressionné. Avec ton niveau de talent, je suis sûr que tu pourras vaincre l'Elite 4 à toi tout seul. Et peut-être devenir le champion. Bonne chance. Alors. Tant pis, hein, si je perds leur amitié, c'est pas mon problème. Enfin, mon problème, si. Mais vu qu'ils sont de toute façon à fond, il n'y a pas de problème. Hop. Faisons une sauvegarde, maintenant qu'on a réussi, et je vous reprends. Voilà, re. Bon, du coup, avec tous ces problèmes, tout ça, là, je cherche des moyens d'augmenter un peu quand même tout ça. Par exemple, le reste, je vais le donner à Gaïa. J'ai donné des lunettes choix à Mew, ce qui lui permet d'utiliser une seule attaque mais augmente fortement son attaque spéciale, ça peut être pas mal. J'ai jamais vraiment été stratégique, donc j'apprends un peu en regardant un peu les objets. Mais comme un con, je crois que j'ai déposé à peu près tous mes objets stratégiques dans mon PC avant de venir. Donc ben, on va faire avec, écoutez. Je suis tellement mauvais. Hop. Ensuite, allons à celui-là. Semble être un ennemi de type roche. Roche ou acier ou je sais pas quoi. Ouais. Va pour Amphitrite. On commence avec Amphitrite. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Un challenger! Nous n'avons pas eu un depuis longtemps. Non, monsieur. Le nom des doigts. Le nom des doigts. Je suis un membre de l'Elite 4. On va dire. Ah, le sable. Il colle et il y en a partout. Mais je l'aime tout de même. Allons-y. Tu ne vas pas...
Tu vas tellement tomber fortement que tu ne sauras même pas ce qui t'aura tapé. Ce qui t'aura frappé. Donc il est de type sol. Bah écoutez. C'était pas prévu ça. Depuis quand le type sol est super efficace sur Amphitrite? Il est ténébré haut? Non. Attendez. Me serais-je bourré? Acier haut, putain, je le croyais ténébré haut moi. Je me gourre depuis le début. Ben maman. Changeons tout ça. Oh méga capturne. Ah ouais. On va être chasseur de primes. Bon. Ça c'est super efficace par contre, ouais. Que je donne un objet à Lucifer pour qu'il aille plus vite. Je lui donnerai après. Allez, vas-y. Surpuissance, hein. Il va pas résister, il a aucune défense. Ouais, c'est sûr. Allez, on fait trite. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'aurais dû utiliser un truc pour. Faire revivre les Pokémon. Mais bon, en espérant que Amphitrite sera suffisant pour le combattre. Ouais, c'est bon. Ah! Je déteste ce Pokémon. Il vient de type eau électrique, non? Ou type eau et spectre? Je sais plus. Eau électrique. Eau et électrique. Dark Dragon, grâce. Allez, Gaïa, ça va être à toi. Ah non, merde, mais putain. Je pars de Gaïa et c'est sur, sur Basilique. Ok, bon bah. Bon bah, pas le choix. Hein. Royal. Bon. Il me faut des herbes revives. Pour ce Pokémon, ouais bah, Amphitrite et Lucifer, tous les deux sont bons. Amphitrite est meilleur. Niveau attaque, en tout cas. Parce que déjà que je suis brûlé, en plus j'ai l'attaque diminuée de moitié, donc laissez tomber, au carnage il pourra plus rien faire.
Il est en mode attaque tout ça, donc ça devrait être bon. Voilà. Oh, très bien. Pas mal, pas mal du tout. Tu as l'esprit, gamin. Tu vas aller loin. Bonne chance. Tu en auras définitivement besoin. Putain, les gars, ça pourrait être Bob Lennon. Ensuite... bon, on va attaquer les full restores. Bien, bien, bien. Du coup... je voulais un objet qui augmente la vitesse. Normalement, j'en ai un. Je sais plus ce que c'est, mais j'en ai un. C'est ça. Mais peut utiliser juste une attaque. Ça tombe bien vu que je change souvent de Pokémon, du coup. Et on va donner un reste à... non. Hop. À Amphitrite. Voilà, comme ça, ils auront tous un objet. Bien. Attaquons-nous à ceux de droite. Ah oui, et je fais une sauvegarde, évidemment, pour garder ce que j'ai fait, parce qu'on sait jamais. Voilà. Re. Ouais, je sauvegarde à chaque fois, en fait, parce que bon, vous connaissez tous la technique. Hein, sauvegarder après avoir terminé un combat pour être sûr de... de ne pas devoir recommencer le combat, quoi. Type glace. Mew a la limite de choix. Donc il a juste une seule attaque à lancer. Espérons que son premier Pokémon ne soit pas glace et spectre, parce que dans ce cas-là... je ne peux pas lancer d'Aurasphère. Et c'est ce que je compte faire. Allons-y. Très bien. La douce tombée de neige donne un sentiment de tranquillité, n'est-ce pas? C'est silencieux et serein. Mais dans une bataille, dans la chaleur de bataille, c'est... it's hard and too cold. C'est aussi dur que le froid et destructif. Mon nom est Yuki. Frank, n'est-ce pas? Je me suis entraîné pendant des années avec mes Pokémon. J'espère que ta chance... ne sera pas balayée d'un seul souffle. Alors, ah mais du coup je peux pas utiliser ça, parce que je devrais l'utiliser tout le temps. Non. Et non. Voilà, c'est ce que je craignais. Voilà, et je peux que faire Aurasphère. Changement. Amphitrite, à toi. Ah ouais, ma défense spéciale est diminuée. Je me disais comment il fait pour... du coup... c'est qui casse séisme? C'est Thor. Oh, un Pokémon Delta,
Un Décéliandre Delta. Merde, il est quoi du coup? Fée. Fée et plante peut-être? On va tenter Ice Punch. Non, donc il est pas fée et plante. Il faudrait que je fasse bien des dégâts. Eva, c'est quoi ça? C'est l'esquive peut-être. Qui est monté à 1,5. Voilà, Pokémon Delta, pas mal. Starry. Bon, moi je vais me tuer dans cette attaque, mais bon. Adieu Tenshinhan. Je sais pas qui va lancer. Ça, j'étais sûr qu'elle allait l'avoir, je sais pas pourquoi. Je l'avais dans la tête, ce Pokémon. Bon bah, ça va être le seul à méga évoluer, hein, donc... Ah, quoique. Si je fais revivre l'autre... Ah, lui, il évolue... Ah ouais, c'est une méga évolution, quand même. Oh, stylé. Bon, il va me démonter, je parie. Je pensais que ça aurait été un Pokémon défensif. Et je lui fais bien mal. Bon. Lucifer. Oh non, remarquez Mew. Ouais, allez Mew. Ils ont tous ce Pokémon. Je le déteste, Motisma, c'est... Très bien. Ta bataille... T'es très élégante. Merveilleux. Tu as combattu avec grâce et... poisse. Je sais pas ce que c'est. Je suis sûr que tu pourras vaincre facilement le reste de l'élite 4. Je te souhaite le meilleur de la chance, Franck. Bon, à chaque fois je perds 3 Pokémon dans le combat, mais ça vaut le coup. Par contre, le maître Pokémon... je crois que je commence à le craindre, en fait, parce que... Je me demande s'il est spécialisé, ou si... Il aura des Pokémon au pif. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je sauvegarde, et on y va. Voilà. Continuons. Plus qu'un, et on en est au maître. Je parie que ça c'est London, parce que je me rappelle d'un gars qui a parlé d'un gars qui s'appelait London dans l'Elite 4. Type O. Ou pas. On va mettre Gaïa en premier. Pour tâter le terrain. Bienvenue. Ah, type psy. Je parle avec le contrôle mystique et un démon intérieur. Les ténèbres et le chaos sont tous sur nous. La beauté du chaos. Ça... Elle se montre durant mes batailles. Ouais. Je vais devoir écrire ça. Oh, merde. C'était assez prétentieux. J'ai besoin d'une nouvelle introduction. Désolé pour t'avoir fait subir ça. Bref. Mon nom est London. Ah ah, je savais que c'était London celui-là. Parce que je ne l'ai pas rencontré et il y en a un qui m'avait parlé que son frère c'était London. S'il te plaît. Je suis ravi de te rencontrer. Commençons le show. Mon équipe va t'arrêter sur la route. Enfin, sur ta route. On dirait un Playmobil, le gars.
Ouais, donc c'est bien un type psy. Bon bah écoutez. Oh bah putain, c'est lui directement son méga Pokémon. Waouh. Ah ouais. Hop là. Coup critique. Méga Pokémon vaincu. Ensuite. Ok. Petit combat. On va voir si ça fait quelque chose. Non. Ah. Ice Punch, évidemment. Bon, on lui fait énormément de dégâts. Et il nous met KO, mais au moins on lui aura fait le plus de dégâts possible. Ensuite, Mew, c'est à ton tour. C'est bien ce qui me semblait. Il allait restaurer sa vie. J'aurais dû. À chaque fois, je devrais m'écouter. Je devrais utiliser Nasty Plot. Mais j'ose pas l'utiliser parce que, vu que j'ai la lunette choix, est-ce que ça voudrait dire que je devrais l'utiliser à l'infini, quoi. C'est surtout ça que je me pose comme question. Encore heureusement que j'ai une augmentation d'attaque spéciale et que j'ai pas besoin du coup d'utiliser. C'était comme si je l'avais utilisé une ou deux fois à mon avis. Bon, j'ai presque plus de psycho. On va changer de Pokémon. Et envoyer ici. Et du coup, il ne se bat pas du tout qu'avec des Pokémon de psy, quoi. Il se bat avec tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça, il se bat avec tout et n'importe quoi en fait. Il est type fait, Togekiss, non? L'électricité, ça devrait lui faire mal, il me semble. Et le dernier, un moyade. Parfait. Je ne peux plus l'utiliser parce que je suis sous entrave. Bon, Vitrite, vas-y. Je suis sur quoi là? Voilà. Bon. C'était une bataille assez fantastique. Tu es fantastique, gamin. Tu te bats vraiment, mais vraiment bien. Les portes vers notre champion sont ouvertes à toi maintenant. Bonne chance. J'ai le sentiment que tu vas en avoir besoin. Aussi bon que tu es. Du coup, utilisons nos herbes, quoique non. Je vais garder les herbes rappel pour le combat. Et on va utiliser les revives, simples revives que j'ai. Voilà. Et sur le full restore. Même pour Amphitrite. Hop. Allez, sauvegarde et allons vaincre le maître maintenant. Hop. Voilà. Allons-y. Ah ah. Chose arrive à trois portes.
Ah non, c'est une porte qui s'est ouverte au milieu. Alors là, par contre, qui est-ce que je vais mettre en premier? Le Pokémon qui a le plus de choix d'attaque, de type d'attaque. Lui, on va dire qu'il a deux types d'attaque parce que le type normal, il compte pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 et 3. Bon, bah ils peuvent tous y aller. Mais on va pas perdre un gros morceau au départ. On va utiliser un tank, donc Gaïa. Yin-Yang, tout ça. Qui est le maître? C'est Recra le maître. Sérieusement? C'est Recra? Sérieux? Alors là, je suis surpris. Je m'y attendais pas du tout. Surpris de me voir. Je suppose que tu dois l'être. Pourquoi moi, Recra, serais le champion? Je n'ai jamais vraiment combattu. D'habitude, je laisse juste à Aene faire mon travail. J'ai donné ma vie à rechercher la perfection. Les deltas, les mégas, les armures, le tout. C'est un fiasco entier. Avec le fiasco entier avec les dragons d'Unis. Tout ça a été futile. Rien n'a marché. Tout était puissant, mais j'ai pas assez puissant. Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? C'est à quel point les gens trouvent notre but ridicule. Aucun Pokémon n'est parfait, c'est impossible. Tout peut être vaincu avec un bon type de Pokémon, une bonne stratégie et des attaques appropriées. Et tu sais quoi? Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que nous avons pris la mauvaise approche pour ça. Un Pokémon parfait et imbattable. C'est une chose assez stupide quand on y pense. Après tout, la combinaison comme Destiny Band et Shadow Tag peuvent prendre tout d'un coup facilement. Mais une stratégie peut vaincre un Pokémon parfait. La stratégie d'un Pokémon parfait ne peut pas vaincre une équipe entière. J'ai réalisé ça maintenant. Avoir un seul Pokémon extrêmement puissant ne te rend pas parfait. Il peut être battu. Mais une équipe de Pokémon puissants est parfaitement synchronisée. Chacun couvre la faiblesse de l'autre. Avec une incroyable puissance. Une équipe comme ça n'a aucune faiblesse. Elle serait imbattable. Elle serait parfaite. Et maintenant, avec cette équipe, je suis parfait. Donc ramène-toi, Franck. Tu veux être le champion de la région de Tauren? Sois mon invité. Mais tu vas devoir me battre en personne celui qui a vaincu l'Elite 4 avant, avec son équipe parfaite. Prépare-toi à perdre. C'est un Tyranocif en armure. D'accord.
Tyranocif Delta en armure ou Tyranocif normal en armure? Ah, donc il a des Pokémon Delta, d'accord. Sympa la musique. C'est quoi ce Mewtwo? Il y a pas le signe Delta. C'est quoi ce Mewtwo? What the fuck? Et il a une orbe vie. Il est devenu de type ténèbres ou pas? Parce que dans ce cas-là, je lance Mew et je lui fais brasser quoi, ça veut dire. Ah, j'avais oublié ça. Il doit être devenu de type ténèbres, ouais, parce que ça a été normal, on va dire. Il va soigner son Pokémon, peut-être. Dans ce cas-là, il est ténèbres et spectre. La seule faiblesse du ténèbre et du spectre en même temps. Ténèbre et psy. La seule faiblesse du ténèbre et du psy en même temps. C'est le type fée, non? Dans ce cas-là, j'ai rien. Allez, envoyons Amphitrite. Ce que j'espère, c'est qu'il a pas. Ah ouais, il va avoir Aura Sphère. Il va me défoncer Amphitrite. Ah non, il me fait pas aura sphère. Ouais, mais il me fait quand même très mal. Avec son orbe vie là. Je crois que j'ai commencé à soigner mes Pokémon moi. J'utilise pas les méga évolutions tout de suite. Hein. On sait jamais. Oh, peut-être que... Ah merde. Ouais. Je vais commencer à soigner une Pokémon. Ouais, Lucifer va servir au bouc émissaire. Désolé Lucifer. Déjà. Simple Max Revive. Sur Gaïa, qui pourra tank. Le temps que je soigne tous les autres Pokémon, en fait. On va soigner Mew. Pour les autres, la résurrection attendra un peu. Oh putain, que du full master. Bon bah vas-y, je soigne les autres, tant que j'y suis là. En espérant qu'il ait pas beaucoup de trucs de soins. Parce qu'il va perdre la vie petit à petit avec son orbe vie. Moi ça me gêne pas, perso. On peut même faire une bataille de full restore si vous. À part avec un coup critique comme ça, justement, je peux facilement le battre. De plus, il n'a plus de Ice Beam,
C'est parfait. À midlife, il fait son full restore. Non. Ah, par contre, il a lancé. Je sens que ça va être le Pokémon qui va me faire le plus galérer. J'espère en tout cas. S'il a plus de full restore, là c'est bon. Il va crever. Avec son orbe vie. Voilà. Purée. Rien que ça. Ouais, allez, on le fait chier un peu plus. Même si je sais que Mew pourrait le vaincre, hein, y a pas de problème. Et je veux juste voir combien de PV il m'enlève avec Ice Beam, surtout. Ce sera un coup critique, ça. Oh, oh putain. Bien joué. Allez, Mew. Vas-y. Je suis étonné. Là, il va me mettre KO. Normal. On va tester Thor. Ce n'est pas très efficace, ça devrait pas faire trop de dégâts, voilà. Donc de nouveau Tyranocif. Pour lutter contre un Tyranocif, il me faut le Mew. Donc Herbe rappel. Fait très mal. Aïe. On va lancer Amphitrite d'abord pour voir combien de dégâts je peux faire. Et utiliser tous ses full restore. Ça devrait être bon. Ah merde. Bah vas-y pour un outrage. Je vais pas l'utiliser mais... Hop, c'est un outrage, il va le dépenser. Une... Non, c'est sa première... Ouais, c'est sa première méga évolution. J'allais dire une autre méga évolution, mais c'est sa première méga évolution. Il est beau en tout cas aussi. Pas de risque. On régénère le tank au cas où. Et outrage. Ah ouais, Delta plus armure là, carrément. Et Pyrax. Il est quoi? Waouh!
pas de risque. Tort. Levitate. Ok. Il est poison et spectre en ce cas-là. Peut-être. Oh mais putain mais... C'est chaud. Je vais pas perdre maintenant. Comme ça. Quel combat. Peut-être. Peut-être que il y ait beaucoup plus que j'ai à apprendre après tout ça. Nous nous rencontrerons à nouveau, je suis sûr de ça. Et mon équipe sera meilleure et plus forte. Rekra. Sylvan. Ça faisait longtemps. Félicitations, Franck. Je ne peux pas le croire. Juste récemment, tu étais dans mon laboratoire, tu as choisi ton premier Pokémon, et maintenant tu es le champion de Tauren. C'est merveilleux, je suis si fier de toi. Viens, on va t'enregistrer dans le Hall of Fame. Sylvan, merci pour avoir gardé mon secret, pour tout. Bien sûr, Rekra, je le ferai pour n'importe qui. J'espérais juste que d'avoir pu t'aider plus. Allez, Franck, allons-y. Félicitations, Franck. C'est là où nous enregistrons les équipes pour se souvenir des champions pour toujours. Mais avant que je le fasse, j'ai un message que je dois te donner. Un homme qui... Un partenaire Victini m'a demandé de le rencontrer là où tu as rencontré Mew pour la première fois. Enfin, là où tu as capturé Mew. Victini. Peux-tu croire ça? Quel Pokémon cool. Mais oui, il veut te voir du coup. Il ne dirait pas... Il n'a pas dit qui il était, seulement ce que tu sais. Amphitrix City, il a mentionné. Tu sais spécifiquement où c'est? Donc, ton prochain but, je suppose, ce n'est pas vraiment ce que je supposais, n'est-ce pas? Enfin bref, je digresse. Félicitations, Franck. Tu as fait tellement pour cette région, et maintenant, tu as vaincu la Ligue. Tu as mérité ça. Dracofe Delta. Galam Delta. Au carnage Delta. Miu. Et Tranchonon Delta. Ça fait une bonne petite équipe. Champion de la Ligue. Félicitations en 140 heures. Plus entraînement et tout ça. Bon bah... On a vaincu la ligue, mais il nous reste plein de trucs à faire, hein, ça je sais. D'ailleurs, prochain épisode, on va aller à Amphitrite City, là où bah, le gars veut nous rencontrer, hein, tout simplement. Passer ou pas? Non. Bon bah je vais enregistrer ce que j'ai fait là et je vous reprends au milieu du générique s'il n'est pas fini. Hop, à tout de suite.
Voilà, bon, générique il est passé, hein, en attendant. Mais du coup, ça m'a fait pop là. Et à mon avis, bah on n'a plus rien à faire. En ayant perdu aucun Pokémon, ouais. Là, en fait, il y avait un gars qui nous disait. Tu peux battre les 4 sans Pokémon de ton KO, je te donnerai un prix spécial. Sauf que bah c'est ce que je l'ai pas fait. Tant pis. Donc sur ce les amis, bon, bah, comme je disais, on se donne rendez-vous au prochain épisode et j'irai faire ce que je dois faire avec le gars de Victini à Amphitrite City. Faut juste que je m'en souvienne parce que je vais faire une pause entre-temps. Donc je vais me le noter quelque part, aller à Amphitrite City, pour pas que j'oublie. Allez, donc sur ce, ciao à plus et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous!